بسم الله الرحمن الرحيم السميل عليه من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين شيف روزوسو السلام عليكم ورحمة الله تعالى Nous sommes au rendez-vous avec nous et pour le dogme islamique, mes chers frères et sœurs, nous étions dans le cadre des attributs d'Allah subhanahu Wa Ta'ala. Bien sûr que nous avons essayé avec la capacité que nous avons de prouver réellement l'existence de Dieu par des manières différentes. Et une fois que nous avons approuvé l'existence de Dieu, et nous devons essayer réellement d'approfondir cette connaissance en Dieu de son existence, de ses attributs et les attributs. Nous avons dit que nous avons plusieurs moyens pour pouvoir mieux comprendre Dieu d'abord. Pour l'existence de Dieu, nous avons dit que il y a seulement que trois trois voies pour pouvoir mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la première voie lorsqu'on parle des preuves raisonnables. Les preuves logiques pour pouvoir mieux comprendre Dieu. Il y a aussi le deuxième lorsqu'on parle du euh, fait de voir l'harmonie, hein, l'harmonie dans le monde pour pouvoir comprendre réellement l'existence d'un Dieu et comprendre réellement de ce Dieu et approfondir notre connaissance concernant Allah Subhanahu wa Taala. Il y a aussi le côté réellement de ma'rifatu ash-shuhuda, c'est-à-dire que par le cœur ou le calme, c'est peut que la connaissance de Dieu par le cœur et aussi par, aussi la, 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 par notre propre intérieur, à force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu peut, peut essayer par ce chemin-là de vous donner une connaissance qui va permettre de, de mieux connaître sur Allah subhanahu wa ta'ala Dieu et de mieux l'adorer. Donc en réalité... La première partie concerne seulement que ceux qui sont dotés de cette raison scientifique, je vais parler les preuves logique et, et raisonnable. Donc réellement puisque cela encore tous ces preuves là mes chers professeurs ont aussi des difficultés, je vais parler la preuve euh, logique, je vais parler aussi de la preuve du cœur qui provient du cœur de la lumière du cœur. Euh, à force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala Dieu nous donne un dépôt qui puisse réellement nous permettre de mieux connaître Dieu donc en réalité le premier je vais parler de preuves raisonnables et logiques n'est pas fait pour tout le monde ceux qui ne sont pas allés à l'école euh, qui n'ont pas bien étudié et qui ne sont pas spécialistes dans ce domaine là je vais parler du domaine philosophique qui puisse réellement approuver l'existence de Dieu parce que ça demande plus de bagages intellectuels, a ah aussi réellement de cet avantage pour ceux qui connaissent, connaissent réellement, ceux qui peuvent réellement essayer de mettre en place une occasion démonstrative de l'existence de Dieu, c'est aussi très profitable pour eux parce que ça peut vous amener à augmenter notre connaissance en Dieu, approfondir notre connaissance par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, mais réellement, il y a aussi... Ces défauts, c'est que ce n'est pas fait pour tout le monde. Lorsqu'on parle, le deuxième cas, c'était dans le cas de l'harmonie. L'harmonie qui s'y trouve dans ce bas-monde. Et nous pouvons essayer la meilleure manière réellement, qui soit général, que ce soit un savant, un ignorant, pour nous, d'éprouver de, de l'existence de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'harmonie de la création. Lorsqu'on voit l'harmonie dans les créatures, et c'est ce qui nous amène à mieux comprendre Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est vrai, nous n'avons pas les mêmes visions des choses. Nous n'avons pas les mêmes appréciations des choses. Mais réellement, c'est le fait que ça puisse amener tout le monde, que vous soyez savant, que vous soyez ignorant, qui puisse vous amener à mieux connaître Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais le troisième choix, mes chers sœurs, lorsqu'on parle des dépôts et la lumière du cœur, cela, c'est fait d'avoir, après la connaissance de Dieu, le fait de se consacrer à Dieu, le fait de, 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 de s'adonner à Allah subhanahu wa ta'ala totalement, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, mettre un dépôt de lumière sur votre cœur qui va pouvoir vous permettre de mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important. ça nous amène réellement à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et soeurs, cette connaissance, lorsque nous l'avons, nous ne pouvons pas aucunement enseigner cette connaissance. Elle est, tout, elle est uniquement personnelle pour nous, et pour ceux qui vont essayer d'emprunter aussi également cette voie-là. Donc ce sont ces éléments-là, mes chers frères et sœurs, qui nous permettent réellement de connaître Dieu. Bien sûr, il y a aussi, il y a aussi, aussi des, des questions problématiques euh, sur réellement de... Euh, je vais parler de l'harmonie Je vais parler de la preuve de l'harmonie Qui se trouve dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Courant Nous allons faire, faire manifester Nos signes Dans l'atmosphère, dans l'horizon Et dans les propres créations Jusqu'à ce qu'ils sachent Ce qu'il est lui, Allah Subhanahu wa Ta'ala, la vérité. Et c'est ce qui nous amène réellement à le, au prévôt de l'harmonie qui se trouve dans, la, dans les créatures et dans la création, mes chers frères et Mais il y a eu ce problème-là lorsque on regarde ce monde, mes chers frères et soeurs, ces problématiques qui se posaient. Lorsque nous regardons et jetons un regard sur ce monde, et nous allons trouver en face de nous, mes chers frères et qu'il y a une harmonie dans la construction l'environnement et l'être humain a essayé de façonner son environnement, etc., etc., etc. Et vous allez trouver que oui, c'est aussi une partie de la création du monde. Ce n'est pas tout le monde. Le monde qui est qui est qui est harmonie aussi, que dans le cadre lorsque vous rentrez dans une ville, vous allez trouver une harmonie, et vous rentrez dans le village, vous allez trouver une autre harmonie, et lorsque vous rentrez aussi effectivement dans les forêts, vous allez trouver dans les forêts, vous allez trouver aussi effectivement des harmonies, etc. avec des différentes harmonies, mes chers frères et Donc en réalité Face à cette situation, est-ce que réellement nous pouvons parler là d'une harmonie totale Il y a aussi des tremblements de terre, de terre qui nous menacent chaque jour, des inondations qui nous menacent chaque jour. Est-ce que réellement nous pouvons parler de l'harmonie dans la création d'Allah Pour répondre à cette question, nous allons essayer d'abord de vous dire oui. Réellement, bien sûr, l'être humain dans sa création, l'harmonisation, les gens pensent qu'il s'agit d'un sujet particulier pour dire que l'harmonisation, l'harmonie qui se trouve dans le monde, dans la ville, c'était une harmonie qui est personnelle et l'autre aussi qui est personnelle, qui est aussi personnelle, etc., etc. Et nous avons essayé de dire que non, nous ne pouvons pas partir de ces détails-là pour pouvoir généraliser l'harmonie. Vous pouvez pas trouver, trouver l'harmonie dans une ville quelconque et vous allez dans les forêts, vous n'allez pas peut-être trouver de l'harmonie ou dans le village dans l'harmonie. Donc, mes chers frères et sœurs, cette harmonie, et il faut comprendre que cette harmonie n'est pas limitée seulement à ce que l'être humain lui-même de sa propre main a pu façonner, a pu essayer de mettre en place et forger. Oui, bien sûr, ça fait partie de l'harmonie, mais le fait de dire que l'harmonie existe dans ce bas -monde est un fait général, mes chers frères et sœurs. La succession de nuits et juifs est un fait général est ce qui concerne l'harmonie qui se trouve dans les villes, il s'agit de l'exploitation de l'être humain de ses capacités. Lorsque l'être humain exploite sa capacité, peut profiter réellement de cette capacité. Le fait d'exploiter cette capacité et essayer de faire sortir quelque chose d'harmonieux, mes chers frères et sœurs, vous allez trouver avec moi qu'il s'agit là d'une harmonie, mais pas aussi des particules de cette harmonie-là. Cela est très important, mes chers professeurs, pour dire que non, nous ne pouvons pas parler des particules et essayer de partir, essayer de généraliser ce fait-là. Nous pouvons généraliser parce qu'il s'agit d'une harmonie générale dans la création de ce bas -monde. Effectivement, dans le cadre, lorsqu'on regarde ce fait, vous allez trouver avec nous que certaines personnes essaient de dire que non, regardant, rejet, jetant cette harmonie qui se trouve dans le monde dans lequel nous vivons, et si nous, nous essayons d'égaliser, hein, de, de, de de rendre que l'être humain soit égal, nous essayons de faire, de faire que l'être humain soit égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'être humain c'est celui qui façonne, qui façonne son environnement, il essaie d'harmoniser de, de son environnement jusqu'à ce que l'environnement devienne harmonieux. Donc, ici, là, c'est comme si, regardez les villes, des belles villes que nous avons qui nous entourent à travers le monde. Mes chers frères et sœurs, lorsque vous regardez ces villes-là, vous essayez peut-être d'égaliser eh, la force de l'être humain à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucunement, mes chers frères et sœurs, il ne s'agit pas d'égaliser, de, 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 hein, de mettre en accord de fait que le fait que la force d'Allah wa ta'ala soit égale à celle des êtres humains. Non, aux créatures, non, mes chers frères et sœurs, parce que la force d'Allah wa ta'ala, elle, elle est illimitée, elle n'a pas de demi fin. mais l'être humain, ça, il a une force qui s'augmente graduellement, selon le temps et l'espace, Lorsque vous regardez l'histoire de l'être humain, l'être humain ancien, avant les préhistoires, l'histoire et le présent, il y a aussi une très grande différence. Et il y a toujours cette différence à force d'exploiter la capacité que nous avons. Mais ici, ça ne peut pas égaliser réellement l'être humain à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parce que nous savons et nous sommes, nous sommes d'accord que le pouvoir des créateurs de ce monde doit être un pouvoir illimité. Mes chers professeurs, il est important que nous puissions signifier cela. Il y a un point aussi très important, mes chers professeurs, concernant aussi l'environnement. Lorsque vous regardez les tremblements de terre, vous regardez les inondations, vous regardez des guerres, vous regardez ceci et cela et vous allez dire que dans la création du monde, il n'y a pas d'harmonie. Mes chers professeurs, le fait qu'il y ait des guerres, s'il s'agit de notre propre menace pour nous-mêmes. Vous voyez, Allah nous a créé intelligents, que nous puissions nous-mêmes sécuriser avec cette intelligence-là. Mais lorsque nous utilisons mal cette intelligence, cela sera, sera, sera au renforcement des effets sur les êtres humains, des effets sur nous-mêmes, mes chers frères et sœurs. La vie qui nous est donnée, lorsque nous profitons réellement de cette vie, nous pouvons aussi profiter dans l'au-delà. Mais lorsque nous ne profitons pas de cette vie, cette vie, alors que nous n'avons pas profité d'elle réellement, nous condamne à partir d'ici et dans l'au-delà, mes chers frères et sœurs. Donc il est important que nous puissions signifier il s'agit de tremblement de terre, il s'agit des choses, mes chers frères, il n'y a pas de malheur Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé de malheur. Bien sûr, il est cité dans nos 5 Corans le malheur, mais Allah subhanahu wa ta'ala d'utiliser le verbe que nous-mêmes nous utilisons pour que nous puissions il fait plus réellement nous faire comprendre. Tout ce qui vous arrive de malheur, ce sont des, trucs, des choses que vous avez produites vous-même de vos mains. Cela veut dire qu'Allah wa ta'ala n'a pas créé du malheur. Il n'y a pas de malheur dans ce bas-monde. Allah Subhanahu wa ta'ala nous a créé le raisin, nous avons transformé ce raisin en vin. Qui aura peut-être des, 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 des effets néfastes sur notre propre santé. Vous voyez, il y a d'autres choses. Oui, mes chers frères et sœurs, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans sa sagesse, il a créé certaines choses qui sont interdites à nous, mais cette chose, ces choses-là ont un rôle bien défini. Même nous, nous ne connaissons pas les rôles et l'objectif de la création de ces choses, mes chers frères et sœurs, elles ont été créées, elles, ces créatures ont été faites, créées par Allah Subhanahu wa Ta'ala avec une sagesse bien définie. Parce qu'il a créé, donné la vie à ces choses-là, mes chers frères et sœurs. Il y a tous ces éléments-là. Lorsque nous essayons de mettre à côté l'un à côté de l'autre, et nous allons essayer de ressortir que subhanahu wa Taala, la création qu'il a mis à notre disposition, la créature qu'il a, a mis à notre notre propre création est pleine d'harmonie, mes chers frères et sœurs. Ce ne sont pas des choses qui ont été créées par hasard. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ces choses-là. Toute créature a été créée avec une sagesse bien définie. Mes chers frères et sœurs, si vous comprenez et nous comprenons cela, je crois que cela peut vous amener à mieux comprendre tout ce qui nous entoure. Le malin, les inondations qui sont là, profitent aux êtres humains. Vous voyez les tremblements qui sont là, profitent à la fertilité. La terre soit fertile pour... Rendre vraiment les, les, les plantes vraiment puissent, dans les meilleures conditions, qu'elles qu puissent réellement pousser et nous donner des fruits pour que nous puissions nourrir. C'est vrai, à partir des tremblements de terre, il y a certaines personnes qui meurent. À partir des inondations, il y a certaines personnes qui meurent. Mais mes chers frères et sœurs, lorsque vous regardez ce côté ou oubliez le côté, mes chers frères et sœurs, il y a ce côté-là qui est bien petit et bien qui n'est pas aussi considérable lorsqu'on veut remarquer et essayer de faire un constat dans le monde entier, mes chers frères et sœurs. Oh. Les tremblements de terre sont profitables pour les êtres humains et pour la terre, pour que la, la terre soit, reste toujours fertile pour nous. Bien sûr, pendant ces tremblements de terre, l'être humain peut avoir réellement des de désagréments. L'être humain peut avoir des désagréments bien limités lorsqu'on regarde le monde de façon générale. Donc il est important, mes chers professeurs, concernant la création, concernant l'existence de Dieu lorsque nous avons ces éléments-là, nous permet réellement de connaître Dieu. Et les savants se sont attendus pour dire qu'il n'y a pas un élément aussi très efficace que la preuve de l'harmonie dans la création qui puisse nous prouver réellement l'existence d'un Dieu. Lorsque vous regardez, et aussi le, le, la faveur, le point, le point distinctif de cette, cette, cette preuve de, dans l'harmonie que nous utilisons pour pouvoir euh, essayer de... De, 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 de donner au clair l'existence de Dieu, Allah, que ce soit ignorant ou savant, tout le monde en profite, mes chers frères et sœurs. Et c'est ce qui fait ce point-là, ce deuxième point, comme un, un point très important pour tous les savants. Et les savants ont dit que c'est la meilleure, la meilleure voie pour pouvoir euh, prouver l'existence d'un Dieu. Nous avons ces éléments, mes chers frères et Il est important que nous puissions aussi revenir à notre sujet qui s'agit des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes arrivés, mes chers frères et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces actions. Il est important que nous puissions aussi essayer de vous éclaircir sur certains points. Regardez, lorsqu'on parle de la volonté, la volonté de Dieu, Dieu, il agit avec une volonté, bien sûr. La science, c'est lui qui est qui qui miné d'une science et doit fortement agir par la volonté et aussi avec plein de sagesse. Lorsque vous avez ça, M. Frère ces éléments-là, cela nous permet réellement de mieux comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais parler ici des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création ou dans ses actions. Mes chers frères et sœurs, la volonté est expliquée dans le dictionnaire comme étant bien de l'amour, le fait d'aimer une chose ou quelqu'un. fait partie des volontés, le sens de la volonté. Il y a aussi la volonté El-Irada qui est appelée Anarad. Il y a aussi la volonté qui veut dire le, le fait de, 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 de décider, hein, de décider une action, de mettre une action en place. La volonté veut dire aussi cela. Mais ici, lorsque l'on regarde la volonté en tant que l'un des attributs, Allah subhanahu wa ta'ala agit avec la volonté, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question qui nous revient ici, la volonté, il s'agit là, l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par son existence pour dans ses actions. Ici, nous allons dire, lorsque la volonté ici, nous voulons signifier la volonté comme étant le fait d'aimer une chose. Il s'agit de l'amour, c'est intérieur. Là, on parle des attributs. L'un des attributs, il s'agit de l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son essence. Mais lorsque nous voulons parler de la volonté qu'il s'agit de décider de mettre une chose en place, il s'agit là, mes chers frères et sœurs, de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Donc, il est important que nous puissions... Essayer de signifier, de mettre, de, de tirer au clair tous ces désolument. Lorsque nous avons cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran :« Inna amruhu idha Il dit, il s'agit de sa volonté lorsqu'il décide. «Idha lorsqu'il décide une chose, le fait de dire, de dire à cette chose-là qu'il soit». Qu voilà, donc, à quelle soi. Donc, en réalité, là, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide, donc sa décision est en même temps une action. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans, dans, dans la décision, lorsque la volonté ici veut dire la décision, il s'agit des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Mais lorsqu'il s'agit des effets d'aimer une chose, d'aimer ses créatures, d'aimer le prophète, d'aimer les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer les bons serviteurs, etc., etc. Il s'agit, mes chers frères et bien sûr, de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son essence. Donc, mes chers frères et soeurs, lorsqu'on arrive à ce point, il s'agit de mieux chercher à comprendre Allah subhanahu wa ta'ala dans son essence et aussi dans ses actions. dans ses attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout à fait clair pour nous mes chers frères, il y a aussi des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions que nous allons avoir une, une autre occasion inshallah de traiter ce sujet en fond et en large et essayer de d'entrer dans le second sujet qui sera pour nous inshallah l'unicité de Dieu. Il s'agit de quoi L'unicité de Dieu. Parce que vous allez suivre avec nous mes chers frères. Nous avons essayé la nécessité que l'être humain a les points que l'être humain a et les choses que l'être humain a qui puissent réellement l'amener à la recherche d'un dieu. Lorsqu'il a ce dieu là, il doit chercher à connaître Dieu. Et nous avons posé qu'il a besoin d'abord d'utiliser d'abord sa nature innée qu'on appelle al-fitra. Et il y a aussi qu'il doit aussi écouter l'enseignement prophétique qui se dégage de ces enseignements les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que vous avez les attributs tous ces enseignements de prophétique nous a, a, a grandi notre connaissance en Dieu. À côté de là, nous essayons, essayons de lire Allah subhanahu wa taala à travers les écrits, pour pouvoir, à travers la manifestation, à travers les phénomènes, pour pouvoir mieux comprendre Dieu. Donc, nous sommes dans la connaissance de Dieu. Nous voulons comprendre mieux Allah subhanahu wa taala. Il s'agit de quoi? Allah subhanahu wa Il s'agit de quel superlatif, quelle puissance que Allah subhanahu wa a et peut plus permettre réellement. De gérer ce monde-là. Lorsque nous avons ces éléments, cela nous amène réellement à un élément aussi très important. Ce Dieu-là, il est unique, il y a plusieurs dieux. Là, on parle réellement, mes chers frères et de l'unicité de Dieu et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons essayer de, de finaliser les attributs de Dieu dans ses actions et essayons aussi de rentrer, mes chers frères et dans le, dans le nouveau sujet qui s'agit de tawhid, l'unicité de Dieu, Inch'Allah. Et mes chers frères et soeurs, je tiens à vous remercier et Inch'Allah pour la prochaine fois. Et nous nous verrons. Wassalamu alaikum wa ta'ala wa